Salut tout le monde! Aujourd'hui dimanche 13 septembre 2020, voilà, je suis sur le parking en bordure de forêt, en bordure de rivière aussi. Et puis voilà, donc j'ai retrouvé Antoine. Et puis là, on est en fait, on est trois camions là, donc. Donc voilà, il fait chaud, il fait beau, le soleil. Donc là, il est 18h30 et il y a encore le beau soleil. Par contre, il fait chaud. Il y a les chasseurs là-bas au loin. Enfin voilà. Donc, je voulais remercier pour tous les petits messages que je recevais, tous les abonnés. Je voulais conseiller des chaînes aussi. Vous avez, alors si je n'écorche pas le nom, on a Claiser. Puis il y en a d'autres. Hein, donc allez voir les chaînes, regardez un petit peu. En fait, pour aller voir les chaînes, regardez les messages que je reçois. Et sur les messages, vous avez les gens. Donc vous pouvez retrouver le nom des chaînes. C'est ce que je fais généralement hein, quand je vais regarder. Voilà. Sinon, il y a, toujours mon ami Daniel Baroudeur, hein, à qui je fais un grand coucou. Et puis tous les autres, hein, voilà, qui se reconnaîtront. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit peu voir l'installation, là. Voilà. Donc, et bien là, on a Antoine. Voilà, et puis là vous avez les deux camions, le camion d'Antoine, hein, on peut reconnaître. Et puis un camion là-bas, on les a vus, mais apparemment, voilà, sans plus. Donc voilà, et puis là, vous pouvez voir. Hein. Donc ce parking, vous l'avez déjà vu, parce qu'en fait, j'étais déjà venu plusieurs fois sur ce parking, donc j'avais fait déjà des vidéos dessus. Donc, il est bien, il est grand, on est tranquille. Le soir, c'est super calme. Il n'y a personne. Bon, là, il y a du monde aujourd'hui, c'est normal, il fait beau. Hein. Mais voilà. Donc là-bas, il y a les chasseurs. Les criminels. Voilà. Moi, j'appelle ça des criminels. Hein, voilà. Donc, donc voilà, alors week-end prochain, petit road trip sur le. Ça sera un petit road trip sur le week-end. Car le week-end prochain, on va aller vadrouiller en Haute-Loire. Donc à Saint-André de Chalencon. Saint-André de Chalencon, il y a une aire de camping-car, donc je ferai une petite vidéo là-bas sur place. Donc, une aire de camping-car, il tient apparemment, de ce que j'ai vu, il tient deux camping-cars là-dessus. Donc, sinon, il y a un camping en bas, un parking en bas, donc je verrai comment je ferai. Je verrai bien, une petite aire de camping-car en plein dans le village. Bon, c'est tranquille, hein, c'est très calme. Donc, voilà, je vais aller un petit peu en vadrouille. Donc, il n'y a pas loin, il y a 130 km à peu près, 140. Oh, donc, c'est du vite fait aussi. Voilà, par contre, il nous annonce le mauvais temps pour le week-end prochain, mais ça fait rien. C'est pas grave du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Il y avait de nouveau. Si, il y a de nouveau, je vais vous faire voir ça. Il y a du nouveau. J'avais dit que je vous ferais voir. Il y a du nouveau.
Alors, le nouveau, il est où? Donc, le nouveau booster. Alors, un booster, 3 litres. Donc, moi, mon camion, c'est un 2 litres 7. Donc, ça va très bien. Alors, booster 3 litres. Ça se présente comme ça. Voilà, les pinces. Voilà. Donc, c'est pas mal. Voilà, les chargeurs à bloc. Bien, ben justement, donc on a une petite lumière ici. Là, 12 volts. Et puis là derrière, ben on branche pour être en 220. Voilà, donc ben j'ai eu l'occasion de m'en servir, de l'inaugurer parce que je suis tombé en panne de batterie et j'ai redémarré tout de suite, donc il n'y a pas eu de souci. Donc voilà. Donc ben, pas de problème. Pour le moment, ben, assez content. Donc c'est je l'ai acheté, ben, y a, c'est marqué dessus, hein, donc feu vert. Voilà. Donc 100 euros. Hein, voilà. Voilà, au moins on a le dépannage sur place. Au moins c'est bien. Donc voilà. Après, ben, demain, ben, reprise du boulot, hein. Voilà, donc, voilà, et ben, allez, et ben, écoutez, merci à tous les abonnés, hein. Merci de tous les petits messages qu'on me met, et puis à une prochaine, allez. Ciao, bye, bientôt.